Bonjour à tous. Alors, ça fait environ 2 mois que j'ai arrêté la purge à l'huile de ricin. Donc, j'avais fait une cure de purge hebdomadaire pendant 6 semaines, dont une où je n'ai pas fait la purge. Donc, en fait, j'ai fait 5 purges donc, qui ont duré la journée. J'ai pris à chaque fois 3 cuillères à soupe d'huile, enfin, les premières fois. Les 2 dernières fois, j'ai pris 4 cuillères à soupe d'huile de ricin, donc mélangée avec du jus. Que j'ai changé à chaque fois le jus. Je rappelle que j'avais décidé de faire cette purge pour plusieurs raisons. Alors notamment parce qu'il y avait je traînais une fatigue chronique. Donc il y a des périodes où je vais mieux, des périodes où ça retombe. Voilà, enfin, voilà. Donc j'ai essayé de trouver des solutions. Une amie coach m'a conseillé de faire cette purge. Me conseiller les. Voilà, elle me suivait, elle m'a conseillé les quantités, je pouvais l'appeler pour voilà, si jamais il y a des choses qui n'allaient pas, si j'avais des questions. Et il y avait aussi, je voulais expérimenter, parce qu'apparemment la purge, bon voilà, ça nettoie les intestins et on peut refaire notre flore intestinale. J'avais pris aussi des probiotiques par rapport à la problématique des envies, des craquages alimentaires. Comme c'est quelque chose que j'avais pas testé de travailler sur la flore intestinale, je me suis dit ça va être l'occasion aussi de voir si ça, le fait de faire cette purge et de prendre des probiotiques, est-ce que ça joue sur mes envies de manger autre chose qu'une alimentation crue. Donc finalement j'ai pas fait plus de 5 semaines, enfin voilà 5 purges, parce que j'ai pas senti vraiment d'effet positif, hein, j'ai pas senti d'effet en particulier. Et moi, quand je fais quelque chose, si je sens pas d'effet, j'ai aucune raison de continuer. J'ai besoin de sentir que ce que je fais marche, sinon, ou du moins que ça a du sens. Et voilà, moi qui suis proche d'une alimentation quand même assez naturelle, je me dirige de plus en plus vers l'alimentation sensorielle, instincto. On va manger des aliments nature. Bon, je mange pas tout le temps à 100% cru, tout le temps de cette façon-là, mais. C'est quelque chose qui m'attire de plus en plus et qui a vraiment du sens pour moi. Et j'ai déjà pratiqué un peu comme ça, et c'est vrai que le fait de forcer son corps, d'introduire quelque chose en force, un aliment, je sais pas si on peut appeler ça un aliment, parce que c'est quand même transformé, hein, c'est pas naturel, on trouve pas de bile de ricin naturellement dans la nature. L'introduire ça en force dans le corps, je trouve pas ça. Ça rentre pas dans ma vision de la santé, de la nutrition. Après, faut pas oublier qu'on a été nourri et qu'on vit de manière pas naturelle depuis, voilà, depuis notre naissance, pour ceux qui mangent pas cru de naissance, entre autres. Donc, utiliser des méthodes qui sont pas naturelles peut aider. Je pense que voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui peut aider ponctuellement quand il y a des points de blocage, qu'on n'arrive pas d'autre façon à s'en sortir. Donc, j'ai quand même, après coup, je pense que ça a été quand même bénéfique, puisque lorsque j'ai repris mes plantes médicinales suite à cette purge, j'ai eu la sensation qu'elles étaient beaucoup plus efficaces, alors que peu de temps avant la purge, j'avais essayé de reprendre les plantes médicinales. J'avais senti un petit effet sur quelques prises, mais tout petits jours. Et après, j'avais l'impression que ça stagnait, il n'y avait plus aucun effet, ça ne marchait plus. Et là, j'ai senti vraiment des bons effets. Alors, je ne sais plus pendant combien de temps j'ai pris les plantes. C'est des plantes médicinales, des mélanges de plantes pour les glandes surrénales, Sureno Boost, je crois, que j'achète sur ABC de la Nature, des mélanges de plantes qui ont été mis en place par Thierry Casasnovas, qui m'avait déjà aidé à sortir de la fatigue chronique, du burn-out, du premier gros que j'ai fait et que je ne. À l'époque, je ne comprenais pas ce que j'avais parce que je mangeais cru et j'avais plus d'énergie. Et alors que par le passé, j'avais mangé cru et j'avais de l'énergie. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, grâce à Thierry, j'ai pu découvrir que ça venait des glandes surrénales qui étaient épuisées du fait d'en faire trop, du stress, de ne pas dormir assez, toutes ces choses-là que j'avais vécues finalement, et qui expliquaient que malgré le fait de manger cru, je n'avais plus d'énergie, et du coup, grâce aux plantes médicinales, j'ai pu
m'en remettre. Mais voilà, j'étais jeune maman, j'ai vécu beaucoup de choses, des déménagements, séparations, une activité professionnelle, enfin des activités professionnelles, une vie professionnelle compliquée. Donc voilà, j'essaye de stabiliser tout ça, d'apprendre à prendre soin de moi, voilà, pour retrouver mon énergie de manière beaucoup plus stable. Donc ça fait voilà, la première semaine, voilà, je prenais les plantes médicinales tous les soirs. La première semaine, j'ai senti vraiment une amélioration. Quand ça continue la deuxième semaine, j'ai dû en prendre. Après, sur la troisième semaine, j'ai peut-être pas pris tous les jours. Et sur la quatrième semaine, presque plus. J'ai dû en prendre à peu près un mois, peut-être. Je ne sais plus exactement, j'ai pas compté. Mais du coup, voilà. Je suis pas sûre à 100% sur ce lier, mais quand même, j'ai l'impression que j'ai la sensation qu'il y a quand même eu un gros effet positif de la purge. Un autre effet dont je me suis rendu compte certainement après coup, c'est que je n'étais plus attirée par la viande, par les produits animaux. Avant la purge, j'étais très très attirée par les produits animaux. Et Thierry Cazenasnova explique qu'ils contiennent des hormones et que les personnes qui sont fatiguées, effectivement, peuvent se sentir attirées par ces produits parce que les glandes surrénales ont du mal à produire des hormones, elles sont fatiguées, et du coup la viande permet de booster un petit peu le corps de manière un petit peu artificielle en apportant des choses de l'extérieur. Et je me sentais plus du tout, je pensais plus du tout à acheter, à manger des produits animaux. Après, par la suite, le fait d'avoir autour de moi des gens qui en mangent, le fait qu'on partage le même repas par facilité, je mange la même chose, mais c'est vrai que de moi-même, je vais pas forcément. J'avais pas cet élan d'aller acheter comme ça. Avant, j'avais vraiment des envies très fortes de produits animaux. Donc, je dirais, c'est les deux points positifs. Après, à refaire. S'il fallait refaire une purge, à moins d'avoir vraiment une situation d'urgence au niveau de ma santé. J'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de pas naturel, voilà, forcer cette chose à rentrer dans mon corps. C'est vraiment, je suis plutôt dans l'optique, en fait, j'ai vraiment une vision plutôt sur le long terme, d'améliorer l'hygiène de vie globale, améliorer l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, le social, tout ce qui est de l'ordre du social, hein, qui nous apporte aussi du bien-être. Voilà, l'exposition au soleil, le spirituel, voilà, plutôt améliorer au fur et à mesure, améliorer ces aspects-là pour améliorer ma santé plutôt que faire des choses comme ça, quoi. Faire des purges, utiliser des compléments alimentaires. L'idée pour moi, c'est vraiment ça ma vision, quoi, vraiment. Améliorer l'hygiène de vie globale et vivre le plus naturellement possible, tout en essayant d'être adapté dans ce monde qui ne l'est pas, mais finalement qui y tend de plus en plus. Donc voilà pour ce petit bilan de ma cure de purge à l'huile de ricin. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!